Hello les petits gars, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie d'un weekly vlog. Je suis enfin en vacances, alors sorry par contre pour la lumière dégueulasse, je suis dans la salle de bain. Je suis enfin en vacances pendant une semaine, les 4 premiers jours sont bien remplis. Du coup je rejoins une amie à la gare de Soigny, on va aller prendre le train direction Bruxelles. J'adore toujours l'odeur ici. Oh, t'as des trucs de papeterie. Ah ben c'est ça qu'elle m'a... C'est celui-là que je vais avoir comme grimoire qu'elle va me faire en fait. Et elle l'a ritualisé et tout. Hein, mais oh, j'adore, tu vois, un bébé comme ça. Mais je peux les faire moi-même. Pour moi, à partir... Je me dis qu'à partir du principe où je peux les faire moi-même, je ne dois pas acheter. Si tu ne connais pas encore Dilly Camille, Dilly Camille c'est un magasin avec tous des articles à base de matériaux naturels. Ils ont pas mal de produits dans la gamme alimentaire, énormément dans la gamme en fait également de cuisine, de tout ce qui va être ustensiles. Ils ont beaucoup de vaisselle et c'est d'ailleurs là que j'ai trouvé mon petit bonheur avec ce plateau au fromage où vous verrez et vous comprendrez plus tard pourquoi est-ce que j'ai acheté ça. Ensuite, on est passé chez Au Merveilleux de Fred, une excellente adresse de petits merveilleux. J'en ai pris un au café, un praliné qui était divin et un, c'était chocolat blanc noix de coco. Ils étaient juste pas assez frais pour rester figés. On est passé après chez Schleiper, un magasin de 3 étages qu'on m'a conseillé de loisirs créatifs, d'art, de plein de trucs. Je peux vous dire que c'était une excellente adresse. Dans ce rayon, ils ont pas mal de peinture alcool et au bout, ils ont également toute une gamme de cachets de cire que j'ai résisté, je n'ai pas acheté parce que j'adorais en fait faire des packs de lettres avec les enveloppes avec le cachet de cire que tu peux coller toi-même pour pouvoir faire en fait tout simplement les cartes de vœux en fin d'année. Ils ont évidemment un rayon tout ce qui va être bureautique, donc tout ce qui est des carnets et bien sûr, ils ont beaucoup de Bic Artline, Unipaint, Micron, j'en ai pas acheté un seul heureusement, j'en ai encore énormément de stock, mais qu'est-ce que c'était tentant. Pareil pour tout ce qui est papier aquarelle, c'était énormément tentant, mais je m'y connais pas assez que pour savoir lequel prendre, lequel est meilleur. Et le dernier rayon que j'ai fait, c'était au dernier étage, les peintures aquarelles. Oh, il y a toutes les papiers, elle est irisée. Elles sont magnifiques. Oh, je sais plus laquelle j'ai moi. Là, je vais en prendre. J'ai la. Je sais que j'en ai une blanche qui fait un fond sur fond. Oh, il y a des. Celle-là, elle est super belle. Enfin, j'aurais dû prendre mon truc. Je l'ai chez moi, ça. Mais t'as pas une photo? Non. Après, ma boîte d'aquarelle est pour l'instant remplie. Donc... Mais par contre, celle-là, j'ai la boîte de chez eux. Elle n'est pas encore remplie. Après Schleiper, on est passé à un magasin qui s'appelle Human Village, qui est un magasin dit créateur. Et j'ai craqué, j'adore ce sac rive droite, il est juste magnifique, les couleurs, le tissu. Mais par contre, 95€, je n'avais pas le budget à ce moment-là. Pareil, la marque Zao, qui est une marque rechargeable de make-up naturel. Et j'en ai déjà entendu énormément de bien de cette marque et un jour j'investirai dedans. Thank you.
concernant mon avis sur Harry Potter Vision of Magic, alors la place m'avait coûté je crois 22 ou 23 euros, parce que je l'ai payé quand même mi-juin. C'était sympa, alors par contre une heure de file dehors et on partit à l'intérieur tous agglutinés l'un contre l'autre pour qu'au final en même pas une demi-heure je l'ai fait. J'aurais pu rester plus longtemps mais en fait il y avait tellement de monde à l'intérieur que les seules vidéos que vous avez pu voir c'est celles où j'ai le moins de monde possible, sinon le reste ben, en fait je filme limite plus de gens que de décors Harry Potter, et je trouvais que les salles en fait c'était un peu trop olé olé, dans le sens où enfin il y avait rien, ça faisait pas penser assez fort à Harry Potter je trouve. Ensuite, nous sommes passés dans un magasin que je ne connaissais pas, qui s'appelle Bubble at Home, avec énormément du coup de produits, mais de bains, les savons, de skincare un petit peu également. On voit vraiment sur le, en fait, le packaging a quand même attiré parce que ça me fait penser quand même énormément à Typology, avec un packaging très minimaliste, simple, épuré. Même sur le packaging, en fait, à part le logo, des fois on voit même pas le nom de marque, et donc j'ai eu un peu d'ailleurs de mal à retrouver le nom de la marque parce que je l'avais pas, je connaissais pas du tout le magasin et j'ai pas filmé la devanture donc j'avais pas le nom de marque. Ici on a un body butter au monoï. Ensuite nous sommes passés chez Starbucks, j'ai pris un frappuccino caramel. Ou comment se ruiner avec pas grand chose étant donné que je peux le faire chez moi, mais j'avais besoin d'un truc frais en fin de journée avant de prendre le train retour. Voilà, on se retrouve plus tard, déjà en pyjama. Je suis rentrée, ben il est 19h46, je viens à peine de rentrer. Je suis vite passée chez Intermarché, acheter un deux trucs à grignoter enfin pour ce soir. Et j'ai juste pris direct une douche tellement j'avais chaud. Alors, je vais un peu vous montrer du coup maintenant les achats. Il y aura des trucs qui ne seront pas unboxing parce que en fait j'ai déjà utilisé. Alors, le tout premier achat du coup que j'ai fait, c'est chez Dig et Camille. Je l'ai rangé dans ma housse de livre comme ça j'étais sûre qu'il ne soit pas abîmé. Attendez. Oups. C'est donc une planche de base à fromage que c'est made by Cani de Instagram et que j'ai rencontré via YouTube. Et en fait elle utilise ça pour l'aquarelle. Donc vous voyez, donc c'est très plat, donc ça c'est cool. C'est blanc évidemment, donc si je ne me trompe pas c'est de la porcelaine. Et vous voyez c'est très plat, c'est assez grand, enfin pas trop non plus, donc c'est génial. Et ça coûte 5€. Et du coup je compte faire mon aquarelle là dessus. J'en ai pris qu'une seule, j'ai failli en prendre deux. Je m'étais dit je vais d'abord en tester une, et si je vois que ça me plaît vraiment bien ce style là, plat, grand comme ça et tout, ben j'en commanderai une autre, ou alors j'irai chercher Adil et Camille de Mons. Donc ça c'est le tout premier achat que j'ai fait. Ensuite on est passé chez Schleicher. Donc Schleicher est un magasin de loisirs créatifs, peinture, art, sur 3 étages. J'ai fait lister, alors par contre j'ai payé avec mon compte professionnel parce que ça reste pour du professionnel qui sera utilisé ben, pour de la papeterie à terme. J'ai acheté le premier truc, alors je n'ai plus les prix, j'essaierai de vous les afficher à l'écran parce que j'ai plus les prix en tête et il faut que je regarde sur le ticket qui est quelque part dans mon sac. J'ai pris ceci en fait qui est une bande, un ruban en fait en toile de 1 mètre pour pouvoir faire la spine, la colonne en fait des livres quand je vais les relier moi-même, etc. Je cherchais ce style là donc je vais tester avec ça. Je crois que ça va peut-être coûter 3€, un truc comme ça. De toute façon je vous mettrai le prix comme j'ai dit. Et ensuite là, j'ai d'abord failli prendre la grande palette de chez Fine Tech. Donc j'ai la petite palette où je sais mettre 5 ou 6 couleurs. D'ailleurs je vais aller la chercher parce que je ne sais plus si j'ai 2 ou 3 couleurs. Attendez. Alors j'avais 3 couleurs. Donc le blanc je l'avais bien. Donc malheureusement j'ai acheté 4 couleurs. Donc malheureusement il y aura une couleur qui sera, que je serai pas forcément de même. Donc j'ai la boîte comme ceci de chez Fine Tech, avec déjà 3 couleurs nacrées. Et j'espère juste que le rouge n'est pas le même que celui que j'ai pris. Ce serait vachement con. Du coup j'ai acheté 4 couleurs parce que j'étais plus sûre si le blanc je l'avais ou pas en fait. Donc j'ai acheté le Fine Gold Pewter. Je suppose que ça c'était éteint en français sur le ticket. Non c'est pas le même donc ça c'est cool. Le Brilliant Rust. Donc ça c'est le rouille. Et un Golden Rose qui est magnifique. Et en fait moi celui que j'avais, je sais pas si j'ai le truc. Ça c'est, oh ça c'est archi nul. Mais j'ai pas la ref. Pour une fois je l'ai pas noté, j'ai pas la ref. Faudrait que je voie avec Kali lesquels elle vendait chez elle, parce que du coup j'ai pas du tout la ref. Donc ça je vais pouvoir mettre les couleurs, ce qui est un peu con parce que du coup j'ai que 3 places et j'ai 4 couleurs. Est-ce que je regrette de ne pas avoir acheté la grande palette?
Oh là, je peux en mettre 12. J'avoue que là, j'ai un petit regret de ne pas avoir pris la grande palette. Et c'était quand même moins cher parce que celle-ci, je crois que j'ai déjà payé 14 balles sur internet, alors que la grande palette est à 11 euros chez eux. Donc, à voir. On verra. Ensuite, nous sommes passés. Alors, on a vu un magasin de seconde main, mais pas, enfin pas que seconde main et petit créateur. Enfin, il était trop bien. Donc, j'ai acheté cette bouteille Quetch. J'ai plus le carton parce que je l'ai acheté pour gagner de la place. Donc, j'ai juste le petit carton comme ça. C'est une bouteille isotherme avec une paille. Donc, ça va jusqu'à 12 heures pour le froid et 24 heures pour le glacé. Donc ça pour l'été, en vrai c'est vrai que je n'avais pas remarqué, elle est mise juste pour le froid et le glacé, mais du coup tu peux pas mettre du chaud, alors que c'est l'isotherme, donc normalement l'isotherme on peut mettre pour du chaud aussi, c'est juste que ça c'est pas conseillé du chaud, la paille en métal, enfin bref, je l'ai déjà utilisé parce que j'ai déjà mis le reste de mon coca du McDo du midi et le reste de mon frappuccino du Starbucks au soir, génialissime, je compte après me faire une limonade avec du sirop, du citron et tout, et pareil pour demain pour partir, je prendrai ça avec, donc trop bien, 35 balles. Mais trop bien quand même. Et chez Home of Cooking, ils ont les mêmes, mais avec une petite poignée. Et moi, ce que je comptais faire, c'était racheter ça que j'ai acheté chez Action, où on met en fait le doigt comme ceci, et le coller dessus. Parce que voilà, je me dis, ça peut être super cool. Donc j'ai acheté ça. Et ensuite, on est passé chez Primark. Primark, franchement, j'étais raisonnable, j'ai pas acheté grand chose. Et au final, j'ai acheté un truc qui est pour en hiver. Parce que j'ai vu ça, je me suis fait, ça, il me le faut pour cet hiver. L'hiver dernier, au boulot, parfois, j'avais super froid. Et j'étais en chaussette pilou-pilou presque en magasin une fois. Et en fait, il me manquait un legging. J'en avais un, mais il était beaucoup trop petit. En fait, c'est pour ça que du coup, je l'ai pas mis. J'avais la N. Ça, c'est un ML. Un legging fourrure. J'ai limite hâte qu'il fasse froid maintenant. Juste pour pouvoir le mettre. Donc, c'est un ML. Il m'a coûté 8 euros chez Primark. J'ai juste acheté ça chez eux. Parce qu'il n'y a pas grand chose. C'était un bordel monstre. Dernier achat chez Aromazone. Chez Aromazone, j'ai dépensé 44 euros. Ça va. Je sors tout ça et je vous montre un à un les produits. J'ai pas des masses non plus, mais au final j'ai acheté tout ce que j'avais prévu d'acheter. Dans le premier truc basique au basique, j'ai juste acheté un bébé spray. Ensuite, j'ai acheté sous les conseils d'une Instagrammeuse beauté, je vous mettrai le nom quelque part à l'écran, je ne sais plus c'est qui. En fait, elle, à la place d'utiliser de la poudre, genre les poudres pour finir un maquillage, car je suis encore maquillée. Elle a de l'Active Cosmétique, donc c'est de la microsphère de silice. Et ça, ça fonctionne du tonnerre en fait, pour pouvoir tout simplement. Ici en fait, il est mis une cuillère à café de ça, d'argile rose et d'amidon de maïs. C'est une poudre, ça fait une poudre matifiante tout type de teint. Ça en fait, elle l'a fait juste comme poudre de finition pour fixer le teint. Du coup, je me suis dit trop bien. Avec ça, j'ai acheté. Alors de base, je voulais le petit, hein, vraiment un mini poudrier, donc il faudra limite que je le commande un jour. Du coup, en attendant, j'ai acheté le grand poudrier de chez Aromazone. Bah, je mettrai du coup toute la poudre dedans. Je vais pas la mettre maintenant parce qu'avec le ventilo je vais tout foutre à côté et déjà je fais tomber le pot, donc vaut mieux pas. Donc ça, je vous mettrai toujours les prix en truc et les liens en barre d'informations. Ensuite, j'ai pris le sérum niacinamide 10% cuivre et zinc qui a un anti-imperfection et un régulateur. Anti-imperfection, j'ai pas besoin vu que j'ai le sérum de chez Bioflore, mais je voulais le tester pour le côté régulateur. J'ai acheté le sérum acide glycolique 10% et HAHA. Alors c'est mieux BHA et PHA que le AHA, je vais y arriver. Mais en gros, c'est un sérum, c'est un acide exfoliant et c'est beaucoup mieux pour que les acides physiques qui vraiment genre avec du grain de sucre et tout. Donc ça, je voulais le tester, c'est une à deux fois par semaine. Donc ça, je voudrais le tester. Ensuite, j'ai pris le sérum contour des yeux 5% caféine et Elicrise pour les cernes, poches, etc. À tester. Mais là aussi, très bon avis. Et dans les derniers sérums, mais il y en a encore un après. J'ai pris le sérum cheveux petit extrait de pois pour l'anti-chute de cheveux. Je perds énormément mes cheveux, c'est une horreur. Et il a d'excellents avis. Donc j'aimerais bien le tester. Il faudrait d'ailleurs que je commence à le mettre dès ce soir. Quelques gouttes sur le cuir chevelu, massé. Et ça, on laisse absorber. Le dernier sérum que j'ai pris et qui fonctionne du tonnerre aussi, j'en ai vraiment entendu que parler que dans bien, c'est le sérum pour les cils au ricin, fortifiant et rallongeant. Par contre, je m'attendais clairement pas à ça. C'est un sérum. C'est un sérum pipette, comme ceci. Je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à avoir une petite brosse cils mascara, vu que c'est pour les cils, pour. Enfin. Donc, je m'attendais pas trop à ça. Donc, trop bien. Donc, ça, c'est tous mes petits achats. Donc je crois que c'est tout. Je n'ai plus d'achat, ce qui est déjà très bien.
Donc voilà, donc ça c'est pour le jour 1. Nous on se retrouve demain, où j'ai mon stage aquarelle de 10h à 15h chez Cali. Et de 18h à 21h, j'ai mon atelier de bijoux avec Célie. Enfin, on est plusieurs, mais avec Célie, toujours à l'atelier de Cali. Et entre les deux, je reste à la boutique. Soit avec Cali, soit avec Cali me laisse la boutique. Comme je la connais, je resterai derrière et je ferai sûrement soit de l'aquarelle ou quoi, ou je prendrai ma tablette pour bosser un peu. Je verrai bien. Là, je vais un peu ranger parce que mon studio est un bordel monstre. J'ai pas envie de tout ranger, j'ai grave la flemme. Mais il ne fiche que ranger mes achats, mon bureau et potentiellement commencer le montage pour ceci. À demain!